Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. On ouvre d'abord ce grand chapitre, le droit de la femme est célébré en cette journée du 8 mars sur le plan international. Les femmes congolaises ont aussi eu droit à un échange avec le président de la République au Palais du Peuple. Félix Tshisekedi a fait une mention spéciale aux femmes qui se battent contre l'agression rwandaise. On écoute donc le chef de l'État. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre, contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion, la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans, fauchées par la barbarie de nos agresseurs, sous couvert du mouvement terroriste du M23, qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Ainsi, pour toutes ces victimes innocentes, injustement arrachées à la vie, je nous demande, une fois de plus après notre maman tout à l'heure, d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Et puis, les femmes politiques veulent plus de représentativité dans différents postes de responsabilité du pays. Elles ont demandé au chef de l'État de peser de tout son poids pour qu'elles atteignent cette fin. Ces femmes ont promis à Félix Tshisekedi une majorité écrasante à la présidentielle de 2023. On écoute leurs représentantes. De ce plaid. Auprès de votre auguste autorité, la représentation accrue de femmes dans la liste électorale et leur inscription en nombre et en ordre utile. Sur les listes aux prochaines échéances électorales de 2023, l'appui et l'accompagnement des candidatures féminines aux élections à tous les niveaux. L'obligation des chefs de partis politiques de respecter les principes des listes paritaires soutenues par la CENI. La mise en application effective de la loi portant financement des partis politiques. La poursuite des nominations des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau national, provincial et local. L'électorat féminin qui représente plus de 52% constitue un atout majeur pour votre majorité écrasante à la magistrature suprême en 2023. À cette occasion, nous sollicitons votre implication personnelle pour qu'il y ait plus de femmes au sein des assemblées délibératives lors de la publication de listes des candidats élus aux élections à venir. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie sur l'égalité de sexe, tel est le thème international choisi pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. Pour mettre un terme à ça, le problème reste l'accès à ce monde numérique pour les femmes et les jeunes filles. On va l'écouter au micro de Lionel N'Golo et Florent Kita.
Par rapport à ce thème que je vais également marteler dessus pour préciser que notre pays, la République démocratique du Congo, s'aligne sur la thématique retenue par ONU Femmes qui est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. Alors moi je pense que c'est vraiment très important parce qu'actuellement le numérique est en train de battre vraiment son record. Alors je pense qu'il faudrait que l'on puisse également réfléchir dans ces sens comment nous les femmes ainsi que les filles peuvent avoir cet accès, l'accès à ce numérique qui regorge beaucoup de compartiments. Nous avons les sciences à la technologie, nous avions la communication, nous avions le digital. Alors actuellement, comment les choses évoluent dans le monde si les femmes, les enfants et précisément les filles ont cette opportunité par les canaux de l'accompagnement du gouvernement en introduisant même ce programme de la formation au niveau des écoles pour permettre également à nous les femmes dès les bas âges et les femmes déjà épanouies à pouvoir avoir accès à cette information pour permettre à ce que, parce que vous le savez bien que quand on a la formation, on a l'information, on a le pouvoir, on peut changer les choses. Alors si à ce niveau on essaye de voir les choses de cette manière là, je crois que les choses vont changer. Puisqu'on parle de la femme, il y a plusieurs catégories d'entre elles qui connaissent une injustice criante. Il s'agit notamment des femmes veuves qui connaissent une vie sombre après le décès de leurs époux. Pour en parler, notre invitée du journal, c'est Maggie Dorcas Nzumba Muteba, présidente de l'ONG Action Plus, en ligne avec nous depuis le Canada. Bonjour Madame Maggie Dorcas. Bonjour, messieurs les journalistes. Comme je viens de le dire, on célèbre la femme aujourd'hui, mais on parle peu de femmes veuves qui subissent plusieurs formes d'injustice. Comment expliquez-vous cela? Merci, messieurs les journalistes. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe des EFAM Télévision. Ben, messieurs les journalistes, vous savez, l'ONG Action Plus s'occupe des personnes vulnérables, précisément les femmes veuves. Ça fait des années que nous nous occupons d'elles. Nous comprenons d'ailleurs qu'ici, il y a les catégories les plus vulnérables dont il faut s'en occuper, ben, et bel et bien, ce sont les femmes veuves. Moi, j'ai dit, ce sont les femmes veuves. Et nous aussi, nous sommes franchement étonnés de voir comment, même pendant une journée aussi dédiée à la femme, qui est celle du 8 mars, la femme veuve, elle est complètement déconsidérée. Franchement, même moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ben, c'est pour cela, je peux dire, et je viens donc en fait profiter de votre micro pour lancer, je peux dire, un SOS. Les femmes veuves particulièrement. Car, je vous dis sincèrement, les femmes veuves souffrent et souffrent énormément et ils n'ont personne pour les aider. Ok, merci. Alors, en RDC, les lois existent pour protéger les femmes dont les maris sont décédés, mais leur application pose encore problème à ce jour. Est-ce qu'on peut dire à ce stade que l'État congolais accorde peu d'importance à cette catégorie de personnes? Justement, messieurs les journalistes, nous avons des cas de femmes veuves qui ont été abandonnées par la belle famille, donc la famille de leur défunt mari. Il y en a d'autres qui ont été expropriées et les enfants sont dans la rue. La justice n'arrive pas ou ne fait, moi je dis tout simplement, pas les remettre dans leurs droits. Par conséquent, nous avons aujourd'hui les délinquants, nous avons aujourd'hui les filles prostituées, nous avons aujourd'hui les chégués. Et pourtant, le gouvernement devrait, au lieu de traiter ces problèmes en amont par la lutte contre les koulouna, de les traiter en aval, en empêchant justement par l'application de la loi que le veuf et les orphelins soient jetés dans la rue. Donc c'est pour cela, moi j'ai dit toujours, même dans des émissions que j'ai fait, j'ai dit toujours, il faut normalement qu'une loi soit votée. Même si la loi est déjà là, mais cette loi-là doit être respectée.
pour éviter que la femme veuve et les enfants soient jetés dehors. Ok. Alors, vous militez à travers votre ONG Action Plus, basée ici au Congo, alors que vous êtes au Canada, sur la protection des femmes veuves. Mais est-ce que votre combat s'arrête seulement sur le fait d'aider moralement et matériellement ces femmes de la manière dont vous le faites, ou vous avez aussi des ambitions d'approcher les décideurs pour que la situation de ces femmes change? Ben, très belle question, mais c'est les journalistes. Moi, je dis que dans l'ONG Action Plus, nous nous battons pour leur venir en aide, pour venir en aide dans, aux personnes vulnérables dans tous les domaines. L'aide que vous venez d'énumérer, qui concerne le soutien moral et matériel, fait partie de nos projets à court terme. Et le changement de leur situation par les décideurs que vous évoquez dans votre question est prévu lors de l'application de nos projets à moyen terme. Donc, notre équipe qui est sur place est bel et bien en contact avec des décideurs pour nous accompagner dans l'encadrement justement de ces personnes vulnérables. Donc, au-delà des soutiens moraux et physiques, je peux dire qu'on donne aux personnes vulnérables. L'ONG Action Plus a tant d'autres projets et nous avons des projets à court terme. Comme je dis, c'est un projet que nous venons en aide directement aux personnes vulnérables, à leur donnant quelque chose à manger comme ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est vraiment parmi nos projets à court terme. On a remis des pannes aux mamans veuves. L'objectif de l'ONG Action Plus, c'est de donner les sourires. C'est ce qu'on a fait là, c'est vraiment parmi nos projets à court terme. Et à moyen terme, l'ONG Action Plus a un projet de créer des centres de formation. On ne peut pas seulement limiter au fait d'apporter les soutiens moraux, tout ça. Il y a d'autres choses que l'ONG Action Plus est en train de faire pour les mamans veuves. Par exemple, les projets à moyen terme. Donc, l'ONG Action Plus est en train de créer des centres de formation. Il y a déjà des formations qui ont commencé pour justement permettre à ces mamans veuves et à leurs enfants qu'ils soient autonomes. Ok, merci beaucoup. Dernière question avant de nous quitter. À Kinshasa, comme vous venez de l'évoquer d'ailleurs, l'activité que votre ONG a organisée aujourd'hui a été une réussite selon des témoins sur place. Quelles sont vos impressions depuis le Canada? Merci, monsieur le journaliste. Je peux dire, effectivement, c'était un succès, comme vous le dites. J'ai des images, c'était formidable. Chaque maman fait varier un panne. Les mamans étaient dans la joie et nous avons donc accompli l'un de nos objectifs qui est de donner sourire aux personnes vulnérables. Donc, je peux qu'être dans la joie, voir que l'événement que nous avons fait a été une réussite totale. Vous-même, vous l'avez dit, il y a des témoignages. Donc, moi, je dis toujours, l'ONG Action Plus a, en fait, notre objectif principal, c'est de donner sourire aux personnes vulnérables. Ce qu'on a fait là, les mamans veuves étaient dans la joie, elles étaient contentes. On a mis les sourires dans leur visage. C'est ça notre objectif. Donc, je suis très contente de voir que l'événement s'est très bien passé. Et l'ONG Action Plus lance un message à toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté, qui veulent au fait soutenir l'ONG Action Plus. Vous pouvez nous contacter et nos portes sont grandement ouvertes. Merci. Voilà, c'était Maggie Dorcas Nzumba Mouteba, notre invitée du journal depuis le Canada. On a donc célébré aussi la femme au parti Leadership et Gouvernance pour le développement dans sa fédération de Founa 2 avec Claudine Comba, sa présidente fédérale. Ce parti cher à Matata Ponyo dans cette fédération avait un message assez crucial à transmettre à sa base. Reportage Christian Kabeya.
La journée du 8 mars ne pouvait pas passer inaperçue pour les femmes du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, Fédération de Founa 2, secteur tenu avec maestria par Claudine Comba. Bien avant que la présidente fédérale n'arrive, les femmes venues de Kalamu, Bumbu, Ngiringiri ou encore Bandal ont pris d'assaut le siège fédéral de Ngiringiri. Sur place, l'ambiance était totale. Il n'a fallu que quelques minutes après pour que l'effervescence atteigne son paroxysme à l'approche de Claudine Comba, chef de la région du LGD Founa 2, qui avait un message très important pour les femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme à ne pas assimiler au corps du pagne, car la femme vaut plus que ça. Moi, je suis à propos de la ministre, députée, sénatrice. Moi, ça fait tout le monde. Moi, je suis professeur d'université. Vous voyez ma maman. Moi, je suis à Zalika, quand on fait à côté, par la dignité au point d'être à côté, qui vous fait à côté, et ce qui va là. Potentielle candidate à la députation, Claudine Comba a eu des assurances des mamans qui lui ont promis leur soutien. Les femmes du LGD Founa 2, qui ont surnommé la présidente fédérale Claudine Comba Fidélité, ont voulu transmettre par elle un message non de moindre à Matata Ponyo, président du parti. Matata Ponyo, ma femme. Ma maman Balobi, Balingio Mi. Balobi n'a rendez-vous à Nga. Kaka Iyo, comment vous soutenez? Pour tout dire, Claudine Comba a profité de cette occasion pour appeler à l'adhésion massive au sein du LGD qui régorge déjà un nombre exorbitant de militants dans ses rangs. Après cette activité, les femmes ont retenu le message. Elles vont militer pour s'imposer afin de préserver leur place de choix dans la société. Et puis comme on le dit, c'est le mois de mars au cours duquel la femme est mise sous les projecteurs. Des femmes qui doivent, entre autres, militer pour leur autonomisation. C'est le cas de Maman Meji, rencontrée par Divine Tsala et Enoch Mafouka au marché Zikida. On l'écoute. Ce qui est bien fait, papa paye salaire et cocaté. Côté que foot en daku, bana classe, donc il y a qu'à passer. Bon, on a peine à bander le bosso à porte. Oui, on a peine à bander le bosso à porte. En tout cas, on a été qui du loc et belé. On a été qui makala, on a été qui foufou, on a fongola qui vivre frais. Et puis, juste après ce journal, le dossier de la rédaction met le curseur sur cette femme commerçante qui supporte par ses propres efforts sa famille très nombreuse en vendant des haricots. Dans un autre dossier, le M23, soutenu par le Rwanda, continue à attaquer les positions FARDC dans différentes lignes de front à Masisi, dans le Nord Kivu, violant ainsi délibérément le cessez-le-feu annoncé pour mardi à 12h. Le gouverneur militaire appelle la population au calme et l'invite à ne pas à mener aucune action pour l'instant, notamment contre les contingents de l'EAC. On écoute à ce sujet le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant colonel Guillaume Djiquet. Monsieur le gouverneur militaire de province, son excellence lieutenant général Ndima Kongba Constant demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés en province du Nord Kivu dans le cadre des listes African Community Regional Force EAC-RF en sigle, car ils ne sont pas nos ennemis. En effet, il informe la population que les différents contingents présents ici chez nous laissent en exécution des accords conclus lors des assises de Luanda, de pourparlers de Nairobi et Addis Abeba,
par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est dont fait partie notre pays, dans l'objectif d'une solution de paix face à la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Ainsi, l'autorité provinciale réaffirme que notre pays a été d'accord au déploiement d'une force régionale dans le cadre décrit ci-haut. Pour ce faire, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, demande avec insistance à la population d'éviter les attaques orientées vers les différents contingents de la dite force afin de ne pas tomber dans le piège tendu par l'ennemi. L'autorité provinciale appelle donc la population au calme. Et puis l'heure a sonné pour et toutes les batteries sont mises en marche pour la concrétisation de la nouvelle politique de défense. C'est pour cette raison que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, s'est rendu à Bujumbura dans le cadre de la première session spéciale de la commission de défense et sécurité dans le bureau du ministre de la Défense nationale du Burundi. Précision, Ania Kole. Ces assises ont abouti à des résultats concrets. Ainsi, des documents importants ont vu le jour. Le premier document est les mémorandums d'entente militaire, alors que le second est axé sur un accord de coopération militaire liant désormais la RDC et les Burundi. Le ministre de la Défense congolaise est venu à Bujumbura afin de signer cet accord avec son homologue burundais en présence de deux délégations des experts militaires des deux pays ayant travaillé d'arrache-pied. Le texte que nous signerons tout à l'heure est une phase décisive qui vient formaliser et poser les bases nécessaires pour la mise sur pied d'un cadre juridique de coopération en matière de défense entre nos deux pays frères et ainsi accélérer la mise en œuvre des domaines de coopération militaire y évoqués en l'article 4, notamment l'échange des attachés de défense et d'officiers de liaison, l'échange d'informations, de renseignements et d'expériences, lutte contre le terrorisme et contre l'insurrection. Toujours dans sa prise de parole, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabanda, a saisi de cette occasion pour rendre hommage aux Burundais qui se font assassiner dans les territoires congolais. Tout en saluant le travail abattu par les experts militaires de nos deux pays, qui ont travaillé jour et nuit sur la matérialisation de cette coopération bilatérale qui existe à l'informel, permettez-moi de rendre hommage aux Burundais qui trouvent la mort sur le territoire congolais, aux côtés de leurs frères d'armes des FARDC. C'est ici pour moi l'occasion de saluer la sincérité des autorités burundaises dans la collaboration avec notre pays pour honorer leur mémoire. Pour le ministre de la Défense burundais, cette date est historique et annonce une nouvelle ère de la coopération militaire en des armées congolaises et burundaises afin de stabiliser les frontières des deux pays et ramener la paix entre les deux peuples. Il s'est dit confiant de la mise en œuvre de cet accord à travers notamment la poursuite des opérations militaires conjointes organisées par les FARDC et les Forces nationales burundaises de défense. Et puis le procès du député national Edouard Mwanga Chouchou, dont les matériels militaires ont été retrouvés dans son domicile, et s'est poursuivi ce mardi. Que retenir de cette audience? Suivez les explications de Annie Akolé. Au terme de l'audience du 7 mars, la haute cour militaire a pris le moyen soulevé par la défense en délibéré et promet de se prononcer dans la huitaine, soit le 14 mars, notamment sur la régularité de la saisine. Il s'agit jusque-là de l'examen sur forme. Les juges de la haute cour militaire n'ont pas encore vidé la forme pour aborder le fond de cette affaire, à savoir trouver la réponse à la question du pourquoi de la présence de des effets militaires dans la maison de cet élu du Nord Kivu.
Au cours de cette troisième audience du procès, qui met aussi en cause le commissaire principal, Robert Mouchamali Wabalik, l'un des gardiens de la concession du député Odouard au Nord Kivu, où des armes à feu ont été trouvées, en plus des munitions trouvées à Kinshasa, les avocats ont présenté trois exemptions contenues dans les mémoires uniques déposées précédemment au juge. Notons que le député Edouard Mwanga Chouchou est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la décision. Et puis, en bref, Jean Mwamba Kanjila, gouverneur intérimaire de l'ex-Kassai Occidental en 2011, est décédé ce mercredi 8 mars aux petites heures du matin à Kananga, dans le Kassai Central. La famille de l'illustre disparu, qui rapporte la triste nouvelle, révèle que l'ancien ministre provincial de l'Intérieur et gouverneur intérimaire était malade depuis 2 ans. C'est l'heure de parler sport. Du football à présent, c'est désormais officiel. 29 Léopards iront à l'assaut de la Mauritanie en aller comme en retour des éliminatoires de la prochaine CAN 2023. La liste a été rendue publique ce mercredi 8 mars par le sélectionneur national au cours d'une conférence de presse au siège de la FECOFA, Lionel N'Golo. Plus les jours passent, la RDC s'y rapproche de cette double confrontation qui l'opposera à la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN 2023. Pour ce faire, le sélectionneur manager Sébastien Desave a présenté ce mercredi 8 mars la liste de 29 sélectionnés qui représenteront la sélection congolaise. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une liste qui est une liste qui va être de 29 joueurs sélectionnés. Alors, 29 joueurs sélectionnés, certains joueurs qui seront pour la première fois sélectionnés. Initialement réparti dans une liste de 42 joueurs, le sélectionneur national a expliqué son choix sur les trois gardiens retenus. Les gardiens de but, donc on a Joël Kasumbua de Bellinzona. Nous avons Lionel Mpassi de Rodez. Alors Lionel, vous savez, il a eu un petit problème à la mâchoire sur une sortie il y a quelques temps. Il a été arrêté parce qu'il avait un problème dentaire. Il a repris avec le groupe aujourd'hui, donc il y a pas de problème au niveau de sa blessure. Devant la presse, le sélectionneur manager de la RDC a exprimé toute sa joie sur le choix de joueur. Je suis très content de ces 29 joueurs, et maintenant on va penser uniquement aux sportifs. On va attendre que tous ces joueurs fassent leur dernier match. Tous les joueurs finissent soit le 18 soit le 19 mars. Tout le monde joue actuellement. Il y a certains joueurs qui ne sont pas dans cette liste parce qu'ils sont en manque de temps de jeu dans leur club. Très mal parti, avec 2 défaites enregistrées, la RDC doit impérativement remporter son prochain match prévu pour ce 24 mars pour se relancer dans la course CAN Côte d'Ivoire 2023. Du football toujours, 3e défaite consécutive pour le tout-puissant Mazembe, battu cet après-midi par l'US Monastir sur le petit score d'un but contre 0. Et l'autre club congolais engagé dans cette même compétition de la Coupe de la Confédération, c'est le Saint-Éloi Lopopo qui a arraché le point du match nul devant la formation libyenne d'Al-Akdar. Score final, 1-0. C'est la fin de cette édition d'information. Madame, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, juste après ce journal, le dossier de la rédaction revient sur Maman Meji, qui a été croisée par Divine Tiala et Enoch Mafouka dans le marché Zigida. Restez avec nous.
Dans les profondeurs du marché Zigida, notre micro a croisé une femme. Maman Mégé, une cinquantenaire, évolue dans le domaine de haricots. Naoumeli, hein? Naoumeli. Si on a encore calculé, ça t'a 12 ans. Avant d'y arriver, elle a eu un parcours commercial pénible. La difficulté, elle est allée. Tant que na banda qui stika, na banda qui kokokate, surtout nous sala madesco. Tant na banda qui stika, na banda qui kokokate, na zako mama msozo te kabui katimbong, msozo te kabui katimbong. Mais là on a msozo qui a persévéré. En tout cas, c'est pas vraiment la fin. Obligée de s'y battre pour nourrir sa famille, maman Mégé passe toutes ses journées dans le marché. Ce qui lui laisse peu de temps pour soi s'occuper de tâches quotidiennes de la maison ou d'accorder sa chaleur maternelle à ses filles et fils. Prévoyante, cette femme s'est déjà bien organisée. Bon, na bana nanda ku na kabola bana mibali bazatu a tongo bana basi bazatu a midi na tongo bango ba na bazaka musala. Seulement, on sait peu de choses sur ses revenus et comment elle s'en sort avec le charge quotidienne de la maison, le loyer, la scolarité des enfants et ses propres besoins, des questions qu'elle a voulu garder secrètes. Ayant un mari, maman Mégé pouvait bien croiser les bras comme les font plusieurs femmes qui s'appuient sur le revenu de leur époux. C'est hors des questions pour elle. Bah misala na biso moko ebi mboka na biso ba papa ba salaire en zalongo sur malongate. Il faut maman tele makako luka pona bana. Soki obi ofanda papa pe salaire e kokate. Kote ko futa ndako bana classe donc ya ka passe. En ce mois de mars où le projecteur sont braqués sur les femmes, maman Mégé se veut un exemple pour les femmes qui ont baissé les murs en raison de réalité de la vie. Bon, on va faire la bandelle pour sa porte. Oui, on va faire la bandelle pour sa porte. En tout cas, on a été qui boulot qui est belé. On a été qui makala, on a été qui foufou, on a fait qui vivre frais. Pour faire comme elle, il y a de procédures à suivre. Maman, bana soko lobe ofana nanda kozaka apasite. Ba misala na biso moko ebi mboka na biso. Ba papa ba salaire en zalongo sur malongate. Faut maman tele makako luka pona bana. Dans le monde d'aujourd'hui où l'égalité de sexe est mise en avant-plan, aucune femme n'est appelée à rester à la cuisine ou sur son canapé en attendant la manne qui doit tomber de la poche du mari. Alors, quels que soient les métiers, il faut se lancer tout en préservant la bonne moralité.